Oui, c'est Kalten, c'est parti pour la 74e partie du Let's Play sur Digimon Story Cyber Sleuth sur PS4. La dernière fois, on était arrivé ici dans le Digilab. J'ai vu là, entre deux vidéos, on a reçu pas mal de messages sur le Digiline. On va voir ça tout de suite. Putain, trivia. Which Digimon use the special move Poop Dunk? A priori, un Pokémon comme Nanimon, je pense. Donc la dernière fois on était arrivé, on avait fait une petite visite dans le métro, on n'a pas encore totalement fini, il me semble. Mais j'espère que dans cette vidéo on y arrivera. À la fin de ce métro quoi. I'm gonna get some friends together to chat. Ouais, bon ça c'est... Voilà, ça c'est juste des trucs auxquels on doit répondre. What program do you use to capture Digimon? C'est le Digimon Capture j'imagine. Je me souviens plus, c'est au tout début du jeu qu'on te le demande ça. Ok. Est-ce que vous êtes encore en train de développer? Oula, j'ai pas l'impression. Alors. Voyons ça. Allez, on va lancer trois développements. Trois développements à 1000 yens. Puis basta. Non. Voilà. Et on va pouvoir sortir. Non, il va falloir que je me rappelle quel quel truc j'ai déjà fait. Ouais, là c'était un endroit où on combattait un Etémon ou un truc comme ça. Donc bon, c'est pas là du tout. Est-ce que je peux faire le Immediate Encounters? Parce que bon. Arrivé à un moment, ça va être relou. Par contre, ouais, je teste pour voir si là, ça marche encore. Ça a l'air de marcher encore. Ça marche encore. Non, pardon. Ah, une médaille que j'avais pas vue, ou alors que je sais même plus si j'avais été entré dans cette salle. Makuramon, je vois pas qui c'est, mais bon. Tant pis. Ok. Bon, pour l'instant, on rencontre personne. J'ai envie de dire c'est cool. Ah, et il y a un coffre qui renferme un disque sage. J'imagine que ça augmente l'intelligence du Digimon. Ah. Ouais, là on a le truc, on a un train qui est mal placé et il devrait être débloqué avec ce truc là. Chromon ça. Ça c'est assez chaud quand même de ne pas avoir le niveau des Digimon qu'on combat. On a du coup vraiment du mal à évaluer si ça va être efficace ou pas en fait. Allez. Bon, ça a été efficace. Je pense qu'on peut le dire. Donc ça, c'est bon. Et du coup, le métro qui était là-bas, il devrait se disparaître, j'imagine. Voilà. Je vais quand même voir du côté de l'escalier juste en face s'il y a un truc. Si ça se trouve, il y a d'autres objets. Bah tiens. D'esprit... Des SP spray. B c'est pas mal. Généralement je les utilise pas beaucoup parce que il y en a, on en a pas beaucoup, donc j'essaie de les économiser. Mais bon, à trop économiser, c'est pas bon non plus, je pense. Encore un coffre par là. Ah, de quoi augmenter la taille d'une ferme. Pas mal. Sachant que là je vais avoir du coup 3 fermes qui vont être niveau max je pense. Bah tiens, on va pouvoir revenir directement dans le Digilab pour étendre une ferme. On va voir du coup. Parce que ouais, je pense qu'elle est déjà. Elle est déjà pas mal la ferme 3. La ferme 2. Ouais c'est ça, ferme 3, elle va être à niveau max. Là, si je ramasse encore un farm expansion, eh ben,
il va être... Enfin, il va me servir à rien, quoi, tant que j'ai pas un... C'est quoi un Farm Development Kit? Enfin, Farm Development... Development Kit pour faire le truc. Ah bah tiens. Bon bah on va le... On va la construire directement, tout de suite. Attends, c'est l'occasion. Ouais, on n'en construit pas tous les jours des fermes. Hop. J'ai 4 fermes. Et donc pour l'instant, il n'y a personne dedans et il n'y a pas de mission en cours vu qu'il n'y a personne dedans. Donc, déjà, on va mettre des gens. On va mettre Platinum Numémon, tiens, tant qu'à faire. On va mettre Cyclone. Oups. On va la remplir avec mes Pokémon, mes Digimon. Certains de mes Digimon les plus puissants. On a Gargomon, on a Garurumon, on a Greymon. On a beaucoup de champions. Au niveau champion, là j'en ai mis 6, il m'en reste 4. Gardromon, je crois que c'est un champion aussi. Ikakumon, pareil. 8. Kabuterimon, pareil. Plus qu'une place à Cubimon. Ensuite, Shamumimon, je crois que c'est un champion aussi. Ouais. Woodmon, bah Woodmon aussi. Tout ça, ce sont encore des champions. Que je peux mettre nulle part. Du nouveau sur le Digiline. J'aurais dû regarder quand même si jamais il y avait... Digimon Capture, ouais, c'est cool. Et Nanimon, ok, j'ai bien répondu à toutes leurs questions. J'aurais dû regarder si jamais j'avais des Digimon qui étaient des builders. Encore que les builders, je devrais plutôt les mettre dans la Farm Island 1. Attends, voir. Parce que là, ouais, Searcher. Je mets tous mes builders ici pour augmenter son efficacité, mais... Normalement, du coup, il me reste des builders nulle part. Ah non. Bref. On va pouvoir continuer. On a des toutes nou- on a une toute nouvelle ferme. Ah putain. Ah ouais, puis là je vais prendre cher. Ouais non. Parce qu'ensuite on va affronter un boss quand même, je pense. Donc il me semble. Donc vaut mieux mettre toutes les chances de notre côté quand même. Et là je suis en train de me faire un peu défonce. Tiens, ça on a vu que ça le tue en un coup. Oh putain. Le mini-boss je le tue en un coup, mais lui non par contre. L'ennemi random non. Aucune logique dans ce monde. Wisemon s'en prend plein la gueule. Wisemon s'en prend plein la gueule. Il faudrait que je vois si jamais... Si jamais je peux le grader un peu. Attends, on a quoi? On a... Ah bah c'est ça, on a une data, un virus et un antivirus. Sachant que là, c'est Pancholemon qui joue. Ça, c'est virus quoi? Virus lumière, on dirait. Ça se voit. C'est quoi? Flashy Boss Punch, on va pas se faire chier. Attends, Chromon, on va éviter le fait qu'il attaque. Par contre, voilà. Mirage Gogamon n'est plus efficace contre rien. Ok. Voilà, je pense que ça va être fini bientôt. On peut faire des attaques normales, au pire. Par contre, du coup, je vais soigner mes Digimon et je vais voir si je peux pas faire digivolver Wisemon quand même. Et niveau 63.
ça craint quoi. Il se fait assez vite plomber en même temps. Il est en quoi, Wiseman? Ultime ou champion? Un ultime quand même. Mais j'ai quand même envie de voir si jamais il peut. Non, il peut pas. Oh là. Oh putain, il. Ah, 100... ouais, 130 d'attaque pour un Wiseman. J'ai déjà dû regarder en plus. Ouais, c'est la mort. Bon, après, Mirage Gaogamon. Oh! Il peut s'évoluer, Mirage Gaogamon. Est-ce que je tente? Ah, j'ai envie de tenter. Oh. Lui, il peut faire une dévolution de DNA. Après, ça veut dire on va dire au revoir à Mirage Gaogamon. Zudomon peut s'évoluer. Ouais, mais là, non, pas encore. Il faut plus d'intelligence. Oh, d'ici quelques temps, il pourra. Choleomon. Il faut un Dark Dramon. Bah d'ailleurs, j'ai déjà regardé. Vaikmon. Vaikmon, il peut pas. Vaikmon, il peut pas, il est méga, de toute façon. Platinum Numemon, bah de toute façon, non. J'ai pas envie. Ok, donc... Wiseman peut pas, mais Mirage Gaogamon peut. Mirage Gaogamon, il est... Bah il est méga pourtant. Bon, et on va le faire. On va le faire. Il faut, je peux pas passer à côté de ça. Que mon Digimon niveau méga puisse encore se digivolver. Il a l'air un peu violent quand même. Bon, par contre, il est retour niveau 1, ça c'est le truc. Waouh, 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 waouh. Niveau 1, il a 120 en attaque, il a 120 en speed, il a perdu l'intelligence, non? Il a 100 en intelligence au niveau 1. Et waouh, Full Moon Meteor Impact, attaque physique, 120 dommages de lumière à un ennemi, 30% de chance de stun et a tendance à faire un crit. Et son special machin. Crash Fizzing. Oh! Ah ouais, alors ça, faut faire gaffe par contre. Parce que ça, on rappelle le talent SS, là, ça s'applique à tous les Pokémon. Tous les Digimon, putain. Qui sont en jeu. Et donc là, les physiques, les dommages physiques reçus. Hein? Ah non, d'accord. Augmente les dommages physiques reçus de 25%, mais augmente l'intelligence de 20%. Donc il faut faire gaffe quand même. Si jamais on le joue avec des Digimon qui sont pas faciles à manier, qui sont un peu fragiles, on va dire. Bon. Donc c'est une data lumière. Bon, par contre... Mirage Gaogamon, il va ramer un petit peu, là. Qu'est-ce qu'on a sur le Digiline? Oh! Ils m'ont envoyé un cadeau. Bon. Là, c'est... Mais si je regarde les statistiques des autres. Ouais, il me faut du 200 et quelques. En fait, le truc qu'il faudrait, ça serait que je le fasse un peu combattre avec un Platinum Numemon. J'en ai deux. Et pour la prochaine fois, en fait... Là, je vais finir vite fait l'exploration, mais il va falloir que je l'entraîne un petit peu. Et donc, je vais prendre mon Platinum Numemon, que je vais remplacer par... Allez, un Bancholéomon. Et je les récupérerai après. Là, je vais un petit peu faire de grind. On va voir un petit peu. Du coup, Mirage Gaogamon en combat. Tenez. On va faire un combat comme ça et on va voir combien il va gagner. On continue vite fait l'exploration.
on n'a rien vu. Et en plus, on va tomber face à lui. Qui m'a l'air d'être le chevalier royal qu'on cherche. Plus tard. Ça, c'est ce lieu, c'est là où on avait le hitter comment le hitter humanoïque qui connaissait Texture Field. Et c'est là où on avait retrouvé Kyoko après sa disparition aussi. Alors voyons voir. Moi je voulais quand même qu'on le voit, Mirage Gaogamon, parce qu'il a la classe, quoi. On va voir le Full Meteor Impact quand même. Allez. Il est trop classe! Bon, il est encore faible, hein, il est niveau 1 forcément. Allez. Ça va, Mirage Gaogamon résiste quand même relativement bien. Et je crois que les Digimon qu'on affronte ici, bon, ce sont peut-être des Digimon champions, ultimes, tout ce que tu veux, mais ce sont des Digimon qui ont un faible niveau. Tiens, Texture Bow. Blow, pardon. Empêchons les gens d'attaquer. Au niveau de l'attaque, ça doit... Ouais, bof. Ben ça va, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Par contre, je vais avoir du mal à le finir, lui. Ah oui, quand même. C'est tendu. Lui, il y aura lui en moins. Ça va être chaud tendu. Parce que là, je vais pas le battre encore. Faut pas qu'il attaque Mirage Gaogamon. Parfait. J'espère qu'il va gagner plein de points d'expérience. Et plein de niveaux. Bon, niveau 18 en un coup, c'est pas mal. Après, on voit bien qu'on n'est pas sur des ennemis qui sont extrêmement forts non plus. Mais bon, l'attaque, on a gagné quasiment... on a gagné quasiment 20 niveaux. Donc, ouais, on a 20 de plus en attaque, 20 de plus en intelligence. 17 de plus en speed, ouais, bon, après la défense, il est pas très résistant, hein, comme Digimon, faut croire. Mais bon. On a de bons ups. Enfin, rapidement, il aura des stats complètement valides. Je vais upgrader un petit peu comme ça, faire quelques combats, et puis, disons que j'essaie de niveau... Je vais essayer de le monter niveau 40, 50, par là. Et puis, on reprendra d'ici. En attendant, bah, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Vous abonner si vous voulez me suivre sur YouTube. Me rejoindre sur Twitch, Twitter ou Discord. Les liens sont en description. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour la partie suivante. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao !